hashtag nos fuiteurs. Y'a un fuiteur, ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. On a des problèmes. Plus de freins sur mon fixie, Airbnb sans wifi. On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même. Nous vous pointons du doigt. À qui le droit? À qui le droit? Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Ce monde nous fait peur. Je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Y'a un filter. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. So quinoa. Salut. Alors attendez, il faut que je règle ce petit problème de son. Parce que normalement, vous n'entendez que le son à gauche. Et comme j'ai bougé pas mal de trucs. Alors ça, le câble est là. Attention, ça va crépiter. Non, c'est pas bon. Oula. Allô ? Alors attendez. Je vais essayer de réparer ça. Oula. Le son est très agréable. Pourquoi je n'ai le son qu'à droite? Quel est le fuck? Est-ce que vous aussi? Parce que du coup, j'ai pas mal. Alors. Ah, ce câblage de merde! Voilà. Normalement, on est bon. Alors malheureusement j'ai une mise à jour de la console, mais je vais m'occuper de tout ça. Alors déjà on va s'occuper de l'image. Alors ce sera un stream très rapide parce que tout simplement je dois aller à l'Olympia. Salut Ilgarok. Ilgarok, c'est dur à dire. Pardon. Essayer de centrer un peu la console. C'est compliqué. Ça c'est bon. Hop. Oh là là, j'ai tout bougé, c'est terrible. Je n'arrive plus à rien. C'est vrai. En fait, c'est cette caméra qui n'est pas centrée, qui est très pénible. Hop. Vous voyez, elle est très... Enfin, elle n'est plus arrivée. Juste Galrock, salut à toi. D'accord. On va faire ça comme ça. Ça, je vais vite faire recentrer ça. Hop. Tac, tac. Et... mince. Ok, je vérifie juste ça. Tac, tac. Donc ça, c'est la zone de notification, hein, quand il y a des follow ou des dons, ou des hosts, tout ce genre de choses. Santa. Très bien. Alors, il faut vite fait que je fasse la mise à jour. Je suis désolé, ça va prendre quelques secondes. Quoique non, on la fera plus tard, on s'en fout. Ce son a rebougé, c'est très pénible.
Du coup, j'utilise une extension du câble. Mais bon. C'est le Y, c'est parfait. Donc, alors, le Wellmer, on va le virer. Parce que ce n'est plus Wellmer. On va remettre Alexandre. On était à 100, combien? 200. On était à 220 hérissandres. Très bien. Est-ce que ce câble... Oui, c'est... Alors, oui, je suis pressé parce que je vais à l'Olympia tout à l'heure. Dans pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, il faut que je me bouge l'anus. Est-ce que le son du jeu est trop fort, pas assez fort? Dis-moi tout. C'est nickel, parfait. Bon, comme il fait pas parfaitement noir, il y a un reflet sur mon écran, mais je suis désolé. Après, malheureusement, je fais vraiment au mieux pour proposer un stream de qualité avec mes moyens. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue le Masuda de Hérissandre. Donc le Masuda c'est très simple, on fait des œufs à la chaîne pour qu'ils apparaissent shiny. Et Junichi Masuda a montré que avec deux Pokémon de deux nationalités différentes, eh bien on doublait les chances qu'ils soient chromatiques. Donc voilà, donc là le but du jeu c'est de passer devant le petit bonhomme et qu'il se retourne. Là il est pas retourné. Hop, là tu vois il est retourné, hein, il regarde vers nous. Donc il a un œuf dans la main. Hop. Ensuite, donc, là, il se retourne et on continue. Jusqu'à emporter 5, là, on voit qu'il est retourné, hein, il ne nous regarde pas. Donc, il n'a pas d'œuf. Donc, pour optimiser, hein, faut aller sur le pont, aller jusqu'au peintre. Pour avoir le moins de trajets parasites, entre guillemets, ça sert vraiment à rien. Comme ça, pendant les éclosions, je continuerai de m'habiller. Sachant que tu as un salamèche en 7 œufs, et ben GG à toi. Moi j'avais eu Brutalibré très très vite aussi. Malheureusement trop vite, parce que j'avais pas eu le temps de le brider. Mais bon, après je l'avais gardé quand même. Alors, mais là ce coup-ci, là le Hérissandre, c'est pour faire chier Zygomio, hein, qui le cherche depuis tant de temps. Que le but du jeu c'est de l'avoir avant lui. Mais c'est vrai que j'ai très peu joué ces jours-ci, je jouerai beaucoup plus cette semaine. Puisque je ne travaille pas. Jusqu'à mercredi inclus. Donc du coup, on va pouvoir se voir cette semaine. On fera du Pokémon, c'est promis. Sachant que cette vidéo va aller sur YouTube également. Je trouve que c'est plus pratique sur Rossa avec l'atoll de combat, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, j'ai ma petite habitude sur, sur XY. Voilà, c'est juste une question d'habitude. J'ai tout ce qu'il faut sur cette cartouche-là. Je pourrais le faire sur Rossa, hein, j'ai ma cartouche qui est juste là, mais... Voilà, j'ai pas envie de m'embêter trop. J'ai commencé ici. Donc n'hésitez pas à partager le lien du stream. Alors, hop, j'ai juste vérifié que les notifications fonctionnent. Ce deuxième écran est beaucoup trop loin. Alors, allons-y. Ouais, c'est bon. Ça, ça marche. Et ça, ça marche. Ok, c'est bon. Allez, va-t'en! Casse-toi! Cette alerte est beaucoup trop longue. C'est déjà fait, mais vu mon nombre de followers, bah tu sais, hein, chaque partage ramène du monde, et c'est cool. On est de plus en plus nombreux, on a passé les 1000 follow déjà, donc ça c'est cool. Même la chaîne YouTube, j'essaye de... Donc elle a genre 10 jours la chaîne, donc il y a très peu d'abonnés pour l'instant, mais... On m'a beaucoup demandé une chaîne YouTube, maintenant c'est le cas. Voilà, où je poste tous les streams que je fais.
maintenant, à partir du 26 novembre, je crois que j'ai commencé. Me semble-t-il. Où il y a du Isaac, il y a du poker, hein, qu'on a fait hier soir, il y a du Pokémon principalement. Mais pas que, du coup. Très bien. Premier œuf, donc je vais pouvoir commencer à m'habiller. Sachant que je dois finir dans une heure maxi. C'est Louis Yata sur YouTube, oui. Normalement, tu as le bouton en dessous du stream. Si jamais tu veux follow directement, tu as le bouton exprès. Sachant que hier à Isaac, on a eu un guppy en quelques secondes. C'est assez cool. Allez, clos, putain, voilà. Pardon. Badabadabadabam. On va enlever cette chaîne YouTube créée, là. Hop. Badabadabadabam pam pam. Tu connais pas trop Isaac? Non, pas tant que ça, c'est pas si dur que ça à retenir, en fait, c'est vraiment une question d'habitude. En fait, tu vas te focaliser sur certains qui sont très bons, donc... Après, il y a des sites hein, qui t'aident. Comme platinumgod.co.uk, par exemple. Mais il y a plein d'objets que je ne connais pas avec Afterbirth, malheureusement. Ça viendra, avec le temps. Je vais me connecter à Twitter. Hop. Tac. Ah, merci Galrock pour le tweet. Alors, j'ai envie de l'acheter depuis sa sortie, je me suis jamais lancé. Mais il faudrait. C'est un très bon jeu. Et merci Meat Sack for Life. Merci pour le follow. Allez, 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 faut éclore. 225. Il est bleu. Ça ne va pas du tout. Tant qu'on voulait un stalgamin bleu qu'on a eu. Mais on ne veut pas de hérissandre bleu. On veut un hérissandre marron. Quand soudain il s'aperçut qu'il n'avait pas à avoir de skill avec ses doigts. Allez, on recommence. Et j'ai le nez qui me gratte. Donc ouais, à 18h je devrais décarrer parce que ce qui serait bien c'est que je prenne le métro à 18h30 pour arriver à l'Olympia.
et pouvoir manger un peu avant. Parce que c'est vrai que c'est un quartier où il n'y a pas grand chose à manger. Pas grand chose d'abordable. C'est un quartier assez cher de Paris, le quartier Opéra. C'est le centre de Paris. On espère pas me faire flinguer comme au Bataclan. Ce serait quand même sympathique. Ça gâcherait un petit peu ma soirée, je vous le cache pas. Ça fait genre 6 mois que j'ai acheté ma place. J'attends ça avec impatience. Je vais voir quelqu'un que j'idolâtre. Quelqu'un que j'adore. Donc, quand tu as quelqu'un que tu adores, bah tu es pas parti, non pas encore, dans une heure, même pas, 55 minutes. Donc du coup, je suis content d'y aller. C'est qui? Je vais voir Alexandre Astier et Bruce de Y Penser en première partie. Donc je suis content. Alors qu'il y a MV qui est en train de péter les plombs sur Twitter. Comme ça, 18h, je finis de m'habiller, je mets juste le bouquin, ma place, un tout petit peu d'argent dans mon sac. Et puis, je vais à McDo et je décolle. Comme ça, au moins, je mangerai dans le train. J'arriverai là-bas rassasié, avec rien sur moi, ou quasiment. Donc la fouille sera très rapide, ça c'est cool, parce qu'il y a une double fouille. Donc ça va être compliqué. Ça me donne faim. Bah là c'est honnêtement, je suis pas fan de fast food en général, mais bon, après là c'est vraiment par commodité, parce que le premier McDo à côté de l'Olympia, il est à Saint-Lazare. Non, même pas, il est il est dans les grands magasins, et ça fait une sacrée tire, quoi. Donc, voilà, ça me fait chier, je mangerai plus sur le chemin. De toute façon, j'ai pas très faim. Je prendrai probablement une salade. Salade Tahiti. Tu viens juste d'avoir ton appart. Bien, GG à toi. Félicitations. Et où habites-tu, Galrock? Dis-nous tout. Raconte-moi.
Putain, j'ai la jambe qui me tire, c'est super chiant. Ah, Sylvain, je sais pas si t'es encore là. Allô? Confirme-moi ta présence. J'ai quelque chose à te dire. Allô? Mis des bleus, on veut pas du bleu, on veut du marron. Sylvain, es-tu là? J'ai mal dans le bras, c'est chiant. En Mayenne. D'accord. D'accord. Je n'ai pas du tout la moindre idée d'où c'est, hein, en étant vraiment tout à fait... Vraiment tout à fait transparent. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas du tout où est la Mayenne. Et j'en suis désolé. Après, tu sais, moi la géométrie, ça a jamais été ma... ça a jamais été mon fort. Non, blague à part, je m'y connais pas du tout en géographie française. Donc du coup, j'arrive à poser quelques points, mais j'avoue que la Mayenne, je ne sais pas où c'est. Il est bleu. Pourquoi tu es bleu? Pourquoi tu es bleu? Pouette, 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 pouette. Ah, c'est paumé, oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme grande ville autour? Mais qu'est-ce qu'il y a comme grande ville dans la Mayenne? Je sais pas, je ne connais rien, moi. C'est un coin que je ne fréquente pas. Je pense que c'est dans le nord de la France, déjà. Et là, ça va être dans l'extrême sud. Normalement, dans la Mayenne, je pense pas. Alors, quand je dis le nord, c'est au-dessus de Bordeaux, hein. Voilà ce que j'appelle le nord. Pour fixer une limite. C'est le nom de la France, d'accord, bah écoute. Formidable. Eh bien, je ne saurais pas où c'est pas grave. C'est beau un monde qui joue. Pourquoi il n'y a pas de Red Bull au McDo? Je suis fracassé là. Mince. Mais parle-lui, bordel de cul. Allez, 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 point 9. Merde. Non! Idiot bête. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si t'es shiny, je me la coupais. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais ta gueule! Ta gueule! Voilà, merci. Salut. Ouais, c'est ça, salut. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors. Il doit être bon, j'espère. Ouais, c'est pas faux. C'est que là, je suis vraiment haché. Et un dimanche en plein Paris. Je trouve pas grand chose.
J'essaie de boire en même temps, ce qui ne va pas être une mince affaire. Ah putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Merde. Ah ta race la chauve. Bon, je vais attendre que ça. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir d'une main. J'ai l'impression d'être un Golio. Ah voilà, c'est bon. Quand soudain il va se recouvrir de limonade. Bon, c'est bien la limonade, hein, c'est pas de la vodka. Alors que la nuit est en train de tomber, je vois ça dans le retour qu'il y a là. Taco est en train de décéder, eh bien écoute, à la prochaine, amuse-toi bien. J'ai chaud. Il est bleu. C'est pas cette musique du Moyen-Âge. Tiens, Sylvain, j'ai profité de l'offre PSN de jusqu'à demain, qui est d'avoir les 3 Uncharted à moitié prix. Donc les trois premiers Uncharted en remaster, ils sont à 30€. Les 3. Donc j'en ai profité, ça a téléchargé toute la journée hier. Ça, j'ai 3 jeux pour 30€. Ça me paraît être un deal valable. J'arrête de fumer. Parce que je n'ai pas fait les Uncharted. C'est David qui les avait fait. Sur ma console. Donc du coup, je vais enfin pouvoir les faire. Tu vois, à Unity, j'ai pas rejoué. J'ai rejoué avant-hier matin. J'ai pas rejoué, j'avoue, hier je bossais, j'ai streamé, là ce matin j'ai rien fait parce que j'ai vraiment mal au dos. J'y rejouerai probablement demain. Si ma connexion me le permettait, je le ferais tellement en stream. En plus j'ai largement de quoi streamer ma console parce que j'ai une carte d'acquisition. Donc du coup j'aurais pu le streamer. Mais ma connexion ne le supportera pas. Donc là ce soir je vais m'acheter le t-shirt de l'exoconférence. ...17h17. Sur Black Flag, j'ai fait un bateau très puissant pour couler les bateaux. T'as perfide Albion, d'accord. Bien écoute, je prends note. Mais si tu veux on le fera ensemble. Black Flag, tu me guideras quand tu reviendras dans des terres plus fertiles. Je dois t'admettre que mes nuits commencent à être obsédées par le même jour, encore et encore. Ça commence à être vraiment compliqué pour moi d'arriver à le gérer tout ça. Mais bon, il reste plus longtemps à tenir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. ...235. D'où le fait que je m'occupe chez moi, pour penser à autre chose. Reste confiant, oui. J'ai des longues discussions avec mon père à cause de ça. Ça va bien se passer. Enfin, je suis persuadé que ça va bien se passer, mais c'est compliqué à gérer. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et là, c'est quand même... Ça tient quand même à pas grand-chose. Mince.
Allez, on continue. 235. Ça va, il est 17h19. On a encore 40 minutes. En se mettant un petit peu en mode speedrun, ça peut le faire. Mais là, je peux pas malheureusement me connecter à internet, parce qu'il faut que je mette à jour ma console. On m'a mis un message tout à l'heure. Et comme je veux éviter de faire ça pendant le stream, parce que sinon ma connexion va décéder. Mais là, demain, je pense que ça va être le matin à regarder les séries. Demain après-midi, peut-être jouer à la console. Je vais éviter de trop sortir. C'est vrai que sortir ce soir, ça m'emmerde quand même pas mal. Maintenant, c'est quand même super important, donc bon. De toute façon, à chaque fois que je dois aller à un concert, à un spectacle, etc., à chaque fois, je me dis, oh putain, j'en ai marre, j'ai pas envie d'y aller. Alors que à chaque fois, je passe des trucs énormes. Je sais que un des meilleurs concerts de ma vie, je l'ai fait alors que j'avais le dos vraiment fracassé. Je suis resté debout pendant quasiment 5 heures. J'avais le dos éclaté, j'avais vraiment du mal à marcher. En sortant, c'était vraiment très difficile. Et que là, je sais que je vais être assis toute la soirée, etc. J'ai pris une place assise exprès, pas trop mal placée en plus, donc ça va. Espérons juste que la fouille soit pas trop longue. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de rester debout dans le temps. En tout cas, pour l'instant. Et là, le problème, c'est que je ne prends pas de café, parce que souvent les sorties, c'est comme ça, dure ce mot-ci. C'est exactement ça. Mais le pire, c'est que le concert de M que j'ai passé, c'était vraiment probablement le meilleur concert de ma vie. Et là, je sais que ça va probablement être le meilleur spectacle de ma vie. Parce que l'exoconférence, tout le monde m'en a dit plus que du bien, donc voilà. Donc là, je prends pas de café parce que je compte fumer à la fin de ce stream. Et café, clope, va souvent avec caca, et je n'ai pas envie. Sachant que j'ai reçu un message de Kanjo ce matin qui me demandait si finalement je préférais pas Star Wars Battlefront sur PS4. Bien sûr, j'ai dit oui. Parce que je préfère sur PS4, au moins il n'y aura pas de ralentissement dû au matériel ou ce genre de choses. Là, je pourrais jouer tranquille. Même si apparemment le jeu n'est pas exceptionnel. Et il m'a dit, bah écoute, je vais voir quand est-ce que j'en récupérerai et ce sera tel site qui va te l'envoyer. Donc en physique. Donc j'aurai gagné un nouveau jeu de PS4. Je suis très content parce que ma ludothèque commence à vraiment grandir. Et j'ai passé un deal avec Tony, puisqu'il a mon Yoshi Woolly World et j'ai son GTA, et je lui dis, bah si tu veux, tu gardes Woolly World, je garde GTA. Il m'a dit oui, y a pas de souci. Par contre, tu me le rends juste le temps que je finisse le jeu. Salut El Barto. Tu arrives, il reste 40 minutes de stream. Donc du coup, ça me fera et GTA 5 et Star Wars Battlefront, tout ça sans débourser le moindre euro, et ça c'est beau. Là, je vais juste jouer à Bloodborne après Unity. Comme ça, je pourrais le rendre à Tony. J'ai mal dans la main, c'est terrible. En fait, j'ai tout mon côté droit qui est en train de mourir. Là, j'étais bien. Je me suis allongé sur le canapé tout à l'heure. J'avais le chauffage qui soufflait dans le dos. C'était parfait. J'étais vraiment très bien. Après, j'ai pris un bon bain chaud. C'était cool. Je faisais justement les... Ah, toujours pas de chaîne, d'accord. Écoute, moi je suis à 236 pour l'instant. Et j'espère avant 18h l'attraper. Il est bleu. N'hésitez pas à partager le lien du stream.
tapez, là vous avez Moubot, vous cliquez sur le petit lien, ou si vous tapez point d'exclamation clic, c'est lycée. Pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez le lien en dessous normalement. Sinon, Douyata sur YouTube. Sur le tube. Poète, 238, c'est long. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Merde. Pala poète, 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 poète. Pala poète, 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 poète. Allez, clos, putain, de ta race la chauve. Il est pas shiny. Pourquoi tu es bleu? Allez, on recommence. Vite! Allez. On veut des œufs, des œufs, des œufs. Tu fais combien d'œufs en moyenne pour trouver le chromatique? J'en ai aucune idée. C'est très très variable. Je pense que sous 500 œufs, c'est jouable. S'il faut, c'est le prochain, on le sait pas, hein. Mais 500 œufs déjà, c'est pas mal, hein. C'est un peu ma limite psychologique. Je sais que en dessous de 500 œufs, ça va, c'est jouable. Mais s'il faut, voilà, hein. Mon orpal, je l'ai eu en 27. Ah, c'est très très variable. Hein. Starry a été une catastrophe. Passe rouge, j'en parle pas. Il Fantominus qui a été compliqué. Mais bon. À 500, tu arrêteras. Non, mais je. Je farmerai. Je l'aurai. Et je l'aurai avant Zygomio.
Allez, on a nos 5 E, on va pouvoir aller faire la course. Pem, pere, pem, pem. Attends, non. Ah, mais il y a du monde sur le web, oui. À chaque fois, la stream, tu mets une petite chanson. Quelle est-elle? Ah! C'est Quinoa de The Bobos. C'est-à-dire les bobos. Pour apostrophe S. Et la chanson, c'est Quinoa. C'est une chanson parodique du Palma Show, El Barto. Tout simplement. Et c'est en début et en fin de stream. C'est rare qu'on me pose cette question d'ailleurs. Parce que tu n'arrivais pas à la trouver. Et j'ai fait un peu de coupe dessus. Parce qu'il y avait des parties qui ne m'intéressaient pas. Donc je l'ai coupé. Sachant que je suis en train de bosser sur le prochain Léo Parleur. J'ai déjà écrit. On va dire 75% du podcast. Dans peu de temps, je finirai d'écrire ça. Et je l'enregistrerai. Ce sera le Léo Parleur 14. Donc d'ici quelques jours. Hein, peut-être même avant mercredi. Touche pas à mon récent. Ah, salut Zigo. Il me reste une demi-heure, hein, Zigo Mio. Est-ce que tu as trouvé El Barto ou pas? Tiens, Zigo, il y a El Barto qui cherchait la chanson que j'ai au début et à la fin de mon stream. Chanson que tu adores. Du coup, j'avais vu le faux clip et j'avais zappé. Et bien voilà, tu vois. C'était bien ça. C'était The Bobos. Et c'est Quinoa. C'est une oeil. Tiens, hier j'ai fait du Isaac en stream et j'ai eu Guppy en deux salles. Trois salles, je. Trois salles. Donc il y a la vidéo sur YouTube hein, si vous voulez aller voir. C'était cool. C'est parti très très bien. Donc oui, je pars à 18h, parce que je dois aller à l'Olympia. Et jusqu'où? Ah. Tu verras, c'est pas très long. Tu regarderas. J'ai été Guppy et Léviathan, d'ailleurs, dans la même run. Mais Guppy en 3 salles... Quand je te dis 3 salles, c'est... T'arrives sur le jeu, 3 salles. Et voilà, tu... Tu vas voir quoi ou qui, je vais voir Alexandre Astier et Bruce de Y Penser. En première partie. Je vais voir l'exoconférence. Qui est normalement, je crois, la dernière date, me semble-t-il. Je crois qu'après, il y a des tournées. Je crois qu'après, c'est la troisième tournée. Plus de place. Ouais, bah, j'avoue que j'ai un peu farmé pour en avoir. Et quand il y a eu une nouvelle date à l'Olympia, c'était en juillet, j'ai acheté immédiatement la place.
quelques secondes après qu'elles aient été mises en vente. Donc voilà. Donc j'attends depuis juillet. Mince, c'est pourquoi je fais déposer. Je suis un Goliot. Sachant que j'ai acheté le Blu-ray et que je n'ai donc pas regardé. Je fais n'importe quoi. Parce que je ne voulais pas être spoilé. Attends, on va répondre à Maxime. Voilà, un petit troll envoyé à Globtopus. Puisqu'il est en train de lister tous les commentaires de merde qu'il a sur sa chaîne. Et donc je lui ai écrit t'es un mec et t'as pas de shampoing, non mais allô. Voilà. C'était cadeau. Hein. Alors là je dois admettre que mon flux Twitter est très politisé hein, aujourd'hui. Et ça m'énerve. Parce que je pense que Twitter n'est pas forcément un espace où tu dois exprimer tes opinions politiques. C'est vraiment mon truc, je ne vous dirai pas. De toute façon, je n'ai pas voté aujourd'hui, je vais être très clair avec vous. Puisque je suis inscrit sur la liste électorale de Bayonne, donc en région Aquitaine, et je n'y habite pas. Donc du coup, je ne m'exprimerai pas sur les régionales, parce que je ne vote pas. Pour ton petit bébé. Je n'ai pas de petit bébé. De quoi, mon Pikachu? Ah, c'est un gentil. C'était la photo qui nous a fait gagner un... Je sais plus quel Pokémon, d'ailleurs. Que j'ai fait gagner après sur le stream. Je me rappelle même plus. Je sais pas, d'ailleurs, si c'était pas un Quasar chromatique. Que j'avais fait gagner après tout de suite sur le stream. C'était il y a quelques jours. Il te ressemble, merci. Il paraît qu'on a les mêmes cheveux. Oh là là, en plus j'adore Alexandre Astier, je suis vraiment un fan de ce qu'il fait, donc je suis content parce que j'avais adoré Que ma joie demeure, je l'ai en Blu-ray. Donc du coup je suis content parce que l'exoconférence, j'ai réussi à ne pas me faire spoil, donc c'est cool. Mais tout le monde m'a dit que c'était très bien. Donc j'attends ça avec impatience. Au fait, tu l'as fait avec un Pikachu femelle ou un métamorphe? Avec un métamorphe. Et il est talent pudique. Voilà, d'où le fait qu'il ait une couche. Tout simplement. Pouet, 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 pouet. Alors que Globtopus est en train de péter un plomb sur Twitter. C'est très drôle. Et si vous ne le suivez pas, je vous encourage à suivre ses streams et surtout son travail. Monsieur Maxime Robinet. Très cool. Très sympa. Quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs.
Il y a des gens comme ça où tu y suis régulièrement, t'aimerais bien la rencontrer. Il y a Tenkei aussi, j'aimerais bien rencontrer, c'est quelqu'un de très cool. J'ai pu discuter un petit peu en off avec lui, c'est vraiment très cool. Il est plus jeune que moi d'ailleurs. Ça a mis un petit coup de vieux. De 146e Pokéfion. Il est bleu. Pendant ce temps-là, Zigomio est en train de se dire putain, faut que je l'ai, faut que je l'ai, faut que je l'ai. Uniquement pour qu'il puisse dire c'est bon, je l'ai eu avant Doui. Alors que je vais l'avoir avant lui, il le sait. Ça, c'est le destin. On n'y peut rien, hein. Ça, c'est. Voilà. Hein. On connaît depuis le 1. Hein. Donc là, normalement, je pourrais streamer demain soir. Probablement mardi soir. Non, mardi il y a match. Donc en deuxième partie de soirée, mardi. Je ferai probablement du Isaac du coup, ou du poker. Je fais du poker hier, hein, si vous avez pas suivi. C'était cool, on a tout perdu. Génial. Après quelques petites parties. On a perdu. Pas beaucoup, on a perdu un peu. On se rattrapera la prochaine fois. Le 148, on arrive vite à 250. Il nous reste 20 minutes. Le petit poker. Mais n'empêche que d'avoir reset toutes mes scènes, ça m'a permis de faire un peu de vide. Du coup, j'ai 3 scènes vides. Ça, c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Que je ne me sois pas cassé le fion pour rien. Que t'es ton girafarig normal. Ah ouais. Girafarig doit être cool en chaîne. On ira le chasser celui-là, tiens. Je crois que j'ai des parcs en plus avec girafarig. Me semble-t-il. 250e, et là il est shiny. Et là Zigomio va être obligé de crier allez Paris avec un meilleur Ibrahimovic. Ça va être beau. Padapam pam 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 pam. Salut Taifar. Il reste 18 minutes de stream. Taifar qui a l'art de venir toujours à la fin des streams. Je ne sais pas pourquoi. Plutôt te la couper. Eh bien écoute, nous verrons ça. Toi aussi tu m'assoudes. Eh bien, que m'assoudes-tu, Taifar? Et Taifar, il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Le tube. Le tube de l'ube. Pam, pam, pam. N'hésitez pas à partager le lien du stream, c'est important. Il reste 17 minutes. Tu cherches ça la mèche sur ça. Ah, d'accord. Une chaîne YouTube, enfin oui! Il y a tous les replays! Depuis 15 jours! C'est fou! Et tu entends même la musique du jeu, t'entends? C'est fou! C'est fou les avancées technologiques qu'on peut faire maintenant, avec un peu de câble. On se croirait presque chez Ken Bogard, c'est fou! Tu t'abonnes direct. Ah, c'est cool! Je vais peut-être arriver à passer les abonnés. Tu as le lien en dessous normalement, mais sinon tu cherches, c'est pas très compliqué. Tabouyata. Ça devrait aller.
Tu devrais trouver. Comme ça, on arrêtera de me casser les couilles avec YouTube en disant « Ah, t'as pas une chaîne YouTube ?» Bien maintenant, si. C'est fou. Je commence à avoir mal dans les bras. Sachant que mon kiné m'a fortement déconseillé de faire ça. Hein. Comme ça, t'as grandi... Ah, formidable. Ah, mais là, déjà, je croule sous l'argent, le fric, le pognon, le blé et l'oseille, hein. Il est évident que YouTube me reverse. YouTube, c'est de la merde. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, effectivement, on me l'a souvent demandé. Donc, du coup, je l'ai fait. Mais là, je croule sous l'argent. C'est là, rien qu'hier, j'ai touché 12 500 euros. Hors taxe. Eh oui. Là, aujourd'hui, normalement... aujourd'hui, vu qu'en plus, j'ai streamé, alors là, je vais gagner... l'équivalent de mon poids en papier toilette. Hein. À peu près. Hein. Et hors taxe, toujours. Hein. Important, ça. De toute façon, cette chaîne ne vivra que s'il y a du monde qui est abonné. Hein. Sinon, je la supprimerai. Parce que ça me casse les burnes. Mais je me fais même pas chier à faire de la coupe. Hein. Je suis tout à fait honnête avec vous. J'upload tel quel. Donc là, en début de stream, vous avez les petits réglages et tout, c'est chiant. Mais bon, on s'en fout. Allez, un petit quart d'heure. Zit. Allez. Éclos, saloperie. Non, parce que je peux pas me connecter à internet, ma console n'est pas à jour là. Ils m'ont demandé une mise à jour et comme j'avais pas le temps. Mais c'est gentil, Taifa. Et comme je peux pas me connecter à internet parce que la console n'est pas à jour. Je ne peux pas prendre droit à éclosion. Alors que je pourrais m'en mettre moi-même, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je n'ai pas besoin de ça. Pour humilier Zigomio. Ce n'est pas... Voilà, je ne peux pas. Je n'ai pas envie de porter les stockades. Alors qu'il fait déjà nuit noire. Et je reviens sur le fait que j'ai pas envie... Enfin, j'ai envie d'y aller. Je meurs d'envie d'y aller. Mais... Oui, c'est sûr. Mais par contre, du coup, ça va me bouffer la connexion, Taifar. Donc ça va faire planter le stream. C'est un peu le problème. Du coup, j'ai envie d'y aller, j'en meurs d'envie, mais par contre, c'est la route qui me fait chier. Voilà, c'est... Ouais, je sais, Noël, je sais. C'est pas grave. C'est détente. Ah, GG. Ah ouais? Bah tu me feras un petit topo. Hein. Mets-moi sur un... tu m'envoies des tags sur Twitter, je ferai un copier-coller si tu veux bien. Taifar.
m'a dit qu'il y a du monde qui pourrait me filer un bébé Zarbi. Bien, je n'en ai pas. Faudra que je travaille sur ça, là, sur les tags. J'y ai presque cru, mais carrément j'y ai cru aussi, mais bon, on verra. Mais je suis persuadé que je dois avant toi, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, Zygomio. J'ai un pressentiment. Après, je veux pas le faire hors stream, parce que sinon tu vas m'accuser de tricherie, alors. Hein. Je veux que tu vois vraiment que je l'ai obtenu dans les règles de l'art, et que tu ne m'accuses pas... d'avoir foutu un coup de power save, ce qui serait insultant. Au moins là je peux prouver ma bonne foi. Si je le chope en stream, il n'y aura aucun doute possible. Est-ce que je... voilà. Demande à la GTS. C'est vrai que, ouais, la GTS, tu peux l'avoir, Noël, carrément. Je n'y pensais point. Shiny Hunting, c'est vrai. Faudrait que je fasse ça. Pam, pam, pam. Sachant que, je vous le dis, nous allons reprendre les resets de légendaire. Ouais, je suis à nouveau motivé pour faire du reset de légendaire. On va faire ça. Donc je pense qu'on ira regarder du côté de Zekrom ou du côté de chez Swan, Suicune par exemple. Ce sont des choses qui me saucent assez. Je pense qu'on va revenir sur des streams un peu fil rouge comme celui-là. Par contre j'attendrai d'avoir attrapé Hérissandre pour n'avoir qu'un seul fil rouge. Et pas avoir mes deux cartouches en fil rouge. Hein, parce que sinon, je serais obligé d'abandonner l'un ou abandonner l'autre. Sinon, il me faudrait également celui qui fuit, là. Je ne me rappelle plus son nom. Je suis en train... Celui qu'on peut avoir par fuite, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais vous allez me confirmer ça. Tu me fais confiance. Oui, mais bon. Sulfura, non. Ouais, voilà, Latios Latias, merci, Taifar. Parce que celui-là, il est simple. On a juste à faire des tout petits allers-retours. Ou alors les chiens. Là, c'est Suicune, ouais, j'aimerais bien. Suicune, j'aimerais bien Zekrom. Ou Latios ou Latias, ouais. Voilà. Je vous ai donné mes petites préférences. Là, tu vois, c'est la tienne. Il fuit pas. Non, non, en fait, c'est toi qui peux fuir. M'a-t-on expliqué. On m'a expliqué que, en fait, si tu fuis et que tu reviens, ça reset, en fait. T'as pas besoin de reset tout le temps. C'est ce qu'on m'a dit. Mais bon, je demanderai à des professionnels du shiny hunting. Reset du fossile, je sais pas comment on fait, donc... Mais apparemment, c'est très long et très chiant, donc on va éviter. Allez, 53, dernière portée, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire plus. Parce que malheureusement, je peux pas trop transiger avec les horaires. Je vais marquer 260 quelque part. Donc je pense à Zekrom parce que Tenke le cherche depuis longtemps et j'aimerais bien un petit peu le troller en disant « Hey, je l'ai eu !» Voilà. Donc ce sera également un stream fil rouge. Pour voir sur YouTube, il faut juste fuir face au Pokémon, tu lui reparles. Exact, merci. Merci, merci Taifa. Ouais.
On regardera ça. On fera ça une fois que... Ah, merci Superstar Actu pour le follow sur Twitter. Je vais déjà me noter 260 parce qu'à mon avis... Ok. Il est bleu. 256. Là, ce qui serait bien, c'est que je chope mon RER à 18h30. Ça serait cool. Hein. Bien, Taïfar. Bon élément. Très bon élément. Cette route 7 qu'on a poncée à l'infini. Allez, ce serait bien que ça éclose. Vite. Ça éclose ou ça éclose? Je sais pas comment on dit en français. Ouais, non, ça c'est l'enfer. Digomium, c'est bon. J'ai envie aussi que les gens puissent se dire « Ah, ça c'est jouable, je veux bien le faire. » Donc on fera Latios Latias ou Zekrom. Zekrom, ça me paraît être sympa. Je le répète, tout ça, ce sera quand on aura attrapé Erisand. On se projette un petit peu dans l'avenir. Et j'ai mon nez qui me gratte terriblement, c'est terrible. Très bien. Allez, 56 vite, ce serait cool que je puisse finir rapidement. Donc je vous donnerai rendez-vous demain. Ce soir, ça m'étonnerait que je restream. Peut-être en deuxième partie de soirée quand je rentrerai, mais je sais vraiment pas. Je préfère pas trop m'avancer. Mais je sais pas du tout dans quel état je serai en rentrant, donc voilà. Probablement fatigué. Régis, quand tu vas prendre le légendaire, d'accord. Moi je pense, ouais, Zekrom ça me ferait bien parce que c'est un Pokémon que j'adore. Et puis Tenki est en train de le chercher, donc ce serait bien qu'on puisse rameuter Tenkei sur le stream. Allez, dernier Pokémon, et puis on se quittera là. Ah, ça a droppé un petit peu. Allez, 260e, donc j'ai noté sur mon petit calepin 260. Il n'est pas shiny. Du coup, les liens vers... les liens vers tous les réseaux sociaux. Donc, Douyata, Léo underscore parleur, Crevard 2.0. Douyata avec 2T et 2A. Enfin, 2Y, 2T et 2A. Sur PS4, si jamais vous voulez qu'on joue ensemble. Mon code 3DS, vous le voyez tout le temps. YouTube, Douyata, Léoparleur.fr pour le site internet. Léoparleur sur iTunes et... Je sais pas ce que vous utilisez pour télécharger les podcasts. Et puis Douy.stream sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais voir l'exoconférence et je vais kiffer. Voilà, je vous fais des bisous. Peut-être à tout à l'heure. Sinon, à demain. Salut! Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit.
sur